10h-5. On va en route vers Saint-Malo. On va prendre le bateau à la Gonière. Et ben voilà, on va se faire une matinée pêche. Je sais pas si on entend et puis j'arrête. Non, je crois que c'est bon. Ouais. Monstre de Loch Ness. Moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé. Après, le bateau, je l'ai depuis un an seulement. Donc, c'est vrai que les points au large, je ne connais pas bien. Mais je vais sur Saint-Malo. À nous, moi, je suis sur Rennes depuis. Ah ouais. Et du coup, bon, ça m'arrive, c'est un cas porté, j'ai des petits coins sympas. Et sinon ici, Saint-Malo, du bord quoi, la Palme. Maintenant je suis plus axé Saint-Lunaire, Saint-Briac, je trouve ça plus joli. Et je trouve les homards pareil là-bas, sympa. Avant j'allais par la Varde, pour les points qu'on connaît tous à peu près je pense. Ah ouais. Pour les forums, là, on voit bien. C'est vrai que moi je vais un peu partout, mais principalement... Tanguy, dis-moi que... Tu vois, il a un poisson... Une aiguillette ou une orphie. Et ça, c'est en bon, ça. Ah ouais. Bon, là, faut bien tirer parce que tu vois, j'ai tiré vraiment où il faut. C'est ça, ça retient la fléchée et que ça part tout droit. Puis qu'elle se barre moitié en vrac. Tu vois, plein de petites dents. Ah ouais. Ça mange du petit poisson, quoi. Ah oui, d'accord. J'en ai jamais tiré, première. Mm-hmm. Ouais, elle est pas mal. C'est le dîner aujourd'hui. Ouais. Bon alors Eduardo, premières impressions de cette petite sortie en mer. J'ai un peu de peur encore, mais ça me plaît bien, c'est bon, c'est très bon. Ouais. En plus, il y a de la chance parce que là, la mer est super calme. Et on a une visibilité qui est très correcte pour le coin, on doit avoir 3 mètres, même 4 mètres par endroit. On fait une petite sortie, donc Eduardo, moi, JS qui est là. Et puis Aurélien, un nouveau venu qu'on s'est connu sur le forum. Aurélien, si tu veux dire un petit bonjour. Dis bonjour à la caméra. Salut. Oh là, on a... Ah bah, JS, il a fait une petite araignée. Ah non, c'est toi. Ouais, une petite araignée, grosse, hein. Aurélien. Je sais même pas si elle est maillée. D'accord. Ouais. Puis bah du coup moi j'ai fait une aiguillette là qu'on a vu tout à l'heure. Ok, voilà. Voilà, bon. On va bouger de coin. Bah là, on peut voir Saint-Malo tout là-bas. Dinard en face là et puis après on part sur Saint-Lunaire. Voilà. Avec l'ombre. On est parti. Où il y a marqué FI là.
le port, la cale. Mm-hmm. On est remonté comme ça, tac, on a suivi en fait la grande île qu'il y a là, c'est celle qu'on voit en face là-bas avec la plage. En fait, on a suivi comme ça. Mm-hmm. Et on a dû s'arrêter ici où il y a des petits cailloux là, tu vois. D'accord. Et là, on va se diriger plus vers ici où il y a des, tu vois, admettons là. Mm-hmm. On cherche toujours un peu les rochers et là-bas, il y a plus normalement de crustacés. Après, ici, je connais un peu aussi, mais on va changer un peu. Bon, on va aller là, on va voir. D'accord. Allez Dardo. C'est chiant, c'est à contre-jour à chaque fois. Ouais, Dardo avec une petite, toute petite araignée, un bébé mâle. Un bébé. Voilà.
Moi, araignée. Tu peux la lâcher. Araignée. Spider. Spider. Si, spider. Fish araignée. Ouais. Fish araignée. Poisson araignée. Tu peux la lâcher. Oh. Vas-y, lâche-la. Ouais, ici. Par contre, les barques sur le côté, ils font un peu 50, 60, 70. Là où t'étais là ? Ah, là, bah derrière, moi j'étais derrière là, dans les remous. Parce que t'es resté longtemps là, il y a un mètre d'eau où t'étais là. T'étais en train de gratter un remous. Ça venait. Oui, il venait dans la. Ah oui, il venait, alors je pouvais pas les tirer, mais moi je les ai regardés. Bah oui, parce qu'ils prennent le courant et puis après, bah il y a le tunnel, alors je me suis accroché. Et là où je suis dégoûté quand même. Je pourrais presque prouver ce que je vous raconte. Je pourrais presque. C'est que la première fois que je suis venu, ma GoPro était sur le 75. J'ai pris le 90. Ah. Je suis parti. C'est vrai que bah, ça fait un peu loin. J'avais la flemme de revenir chercher la GoPro. C'était là-bas. Hein ? C'était mouillé là. Ouais, à 10 mètres près. Ouais. 11h24. 11h25. Bon, bah, on va trouver une bière. C'est difficile, hein? Moi, facile. On a pas la vie facile. Saint-Malo.